Zombie apocalypse. Bon, alors, faut qu'on demande de l'aide à Sud pour arbitrer. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse encore? Ils m'ont trahi, mais j'ai parié sur l'information concernant la gaffe. Comme tu me l'as dit, nous faisons une course. Comme prévu. Il est maintenant temps de se venger de ce tricheur en trichant à notre tour. Tu devrais boire un certain mélange que nous donnons à nos alpha-fans. Tu dépasseras cette ligne d'arrivée en un rien de temps. Nous trichons? Eh bien, que penses-tu qu'ils vont faire? Trouve le mélange en haut et bois-le, puis retrouve Snooki au stade. Très bien. À bientôt. Ok. Trouve le mélange en haut. Ah, j'ai une pochette pleine, évidemment. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça. Je mets un endroit bien particulier, là. J'en ai trouvé trois. Il a plus rien à me dire. Hein. Gagner la course. Ok. Donc retourner chez les renards. Hein. C'est là-haut. Alors, je voudrais regarder un truc passer. Je n'arrive pas à trouver la touche. Voilà, pour sprinter, c'était ça. J'aurais mis du temps à la trouver. Alors, retrouver le Lycos au stade. Oh. Alors que je monte là-haut. Ok. J'ai pas bu la. J'ai pas bu la potion de rapidité. Regarde qui est finalement sorti du lit. Je suis prêt si tu, toi, tu l'es. Frappe sur ce gong, sur cette casserole, quand tu veux y aller. Une casserole? J'ai dû improviser, c'était fait. Cela fait un moment que personne n'a couru, personne ne défie plus les Fexel. Je me demande pourquoi. D'abord, tu zigzagues à travers les clôtures. Oh la vache! Ensuite, tu montes la rampe et tu sautes. Oh là! Oh oui. Jamais j'arrive à faire ça, c'est impossible. Oh la vache, ça va pas être faisable cette affaire. Je peux prendre toute la potion de rapidité possible. My god. C'est quoi le truc à zigzaguer? Ma potion va plus agir. Bon, j'ai rien compris en fait. Ben on verra bien ce que ça donnera. Alors. Non mais. C'est fou. Alors, il me faut la fronde.
J'ai déjà pas compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ça va pas être top, ça. Bon, ma rapidité, t'as raison. J'ai pas compris où il fallait que j'aille, mais... Ok. J'ai perdu d'avance, hein. J'ai pas... Ça va vraiment trop vite, le système, là. Tu m'étonnes qu'aucun Vexen n'ait été battu. Hein. Ouh, c'est perdu. C'est perdu. Plus vite le circuit qu'il devait me montrer, là. J'ai pas compris du tout ce qu'il fallait faire. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je fais n'importe quoi, là. J'ai plus de potions de rapidité. Au niveau du temps, c'est mort. Réclame ta récompense. Je l'ai fait. Quoi? Comment personne ne vous a battu depuis des années? D'accord, d'accord, je t'admire. Je vais... Alors, j'ai absolument fait n'importe quoi, ça l'a validé. Hein. Donc, je vais te dire tout ce que je sais sur la gaffe, mais ce n'est pas beaucoup. Fondamentalement, la gaffe est devenue l'une des plus grandes arnaques pour nous, les Vexen. Les chefs ont décidé qu'ils avaient besoin d'un mécanisme pour déplacer certaines choses dans un mécanisme plus grand. Nous avons donc inventé le levier le plus essentiel auquel nous puissions penser. J'arrive juste pour te voir gagner facile, ça change. Non, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi et ça l'a validé. Donc, c'était un peu. Il n'y a aucun honneur à avoir là. Tu as bien dit tout à l'heure, Mandrin. Alors, nous avons donc inventé le levier le plus essentiel auquel nous puissions penser. Et nous avons veillé à le vendre comme quelque chose de très important. Nous avons construit la chose et cela s'est bien passé pour nous. Aussi dur que soit la gaffe était, eh bien, que s'est-il passé? Ce n'est pas tout à fait clair. Tout ce que je sais, c'est que le levier s'est transformé en objet de charme d'arnaque des Vexen. Tu sais quoi, prends le mien, j'en ai marre. Pour aujourd'hui, peut-être que tu peux l'utiliser quelque part. Ok, ça devient n'importe quoi. Connaissance à propos de la gaffe. Alors, faut qu'on aille voir tout le monde en fait. Ça va être cool, hein. Surtout qu'on est ennemis avec. Les Vexen ont été chargés d'inventer un levier mécanique permettant de bloquer un lieu sûr. Ok. Avec sans péril, on triomphe sans gloire, pas de médaille d'or. Alors non, là, 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 il n'y a pas de médaille d'or du tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire après? Mais je suis méga full, quoi. Je sais plus quoi faire des affaires. C'est. Donc là, il me manque des plumes. Et ça, il faut que je le fasse. Il faut faire le traité de paix. Il me manque deux brevets de marchand. Mais comme ils n'arrêtent pas de se friter, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc objectif. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Un engin à l'apparence simple qui a joué un grand rôle dans le progrès technologique de Albamar. Des mécanismes similaires font désormais partie de la vie quotidienne sur l'île. Donc on a des morceaux d'objets comme ça à trouver. D'accord, ok. Ok, ok. Alors, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Snooki, on l'a battu, on ne sait pas trop comment on y est arrivé. Alors, trouve la trace des cristaux de Crashtal dans les champs clairsemés. Les leaders sont un peuple simple organisé. Ils ne se soucient pas beaucoup des événements autour de la gaffe. Mais l'un des... on va prendre celle-là. Go. Allez, DJ. Tu sais que je vais avoir une autre voûte à faire, hein. Tu vas falloir m'aider hein, quand je l'aurai. Alors, j'aimerais bien trouver des orbes. Ça, l'urgence là, c'est ouvrir le sac, quoi. Par contre... Ah ben, j'ai trouvé qu'on roule. Hein.
Cette orbe-là, on l'a déjà prise. Hein. Il te plaît ce jeu, DJ? Pardon, j'ai. Alors, faut que j'aille vers là-bas. Et j'ai aussi un ornement, un deuxième ornement à trouver, quoi. Je suis full, 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 full. Ah, je suis full, 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 là. Donc on va passer notre temps à s'allier, puis se désallier, puis se réallier. Exhausted. Il est fatigué. Il me faut des plumes et des œufs. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans le coin là? On dirait les feux de l'amour, pourquoi? Pourquoi les feux de l'amour? Parce qu'il faut s'allier, se désallier, etc. C'est pour progresser sur toute la carte. Hein. Puisque l'humain est le plus bas de. Au niveau intelligence. Je t'aime plus. Je t'adore. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Les cuisses, c'est intéressant. Hein. Je prends. Pochette pleine, mais je suis complètement fou là, c'est embêtant ça. Ils sont toujours amis avec nous, les crapauds? C'est une bonne question ça. Du fait que les Fexels m'ont arnaqué. Est-ce que eux, ils sont toujours amis avec nous? On s'en fout un peu d'un côté puisqu'on n'a plus besoin de leur voûte, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ben si, ils m'ont arnaqué les renards. Bon, ils ne m'attaquent pas, donc on est toujours amis, tout va bien. Je vais leur vendre des trucs à eux parce que. Salutations étrangers. Recherches-tu quelque chose en particulier? Je cherche surtout à vendre. Enfin, à dégager des trucs de mon inventaire parce que je suis complètement full, très cher ami. Alors, ils aiment le crachetal, les patates, la pierre de dune, le carcin. Mais il faut surtout pas leur donner du ver poli, du fer tendre, du gros tiron, de la betterave. Hein. Alors. Ça. On est alliés hein, en même temps. Hein. Je vais me vider les poches parce que là, franchement. Je sais pas trop quoi leur donner. Le gris, ils s'en foutent. Hein. Bon, par contre, moi, je vais prendre ça.
c'était des plumes qui me manquaient. Ben, faut bien que j'équilibre, hein. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en fait. Alors, ils m'ont arnaqué, je n'en donne pas. Hey, j'étais des valises, gars. Quand tu le verrais pas. C'est pas équilibré, il y a trop chez moi. Bah oui, je peux mettre tous ces objets, je sais bien. Du bois, je vais en trouver. Donc garde-toi ça. Tant pis, hein, je me fais un petit peu arnaquer. Mais bon, c'est pas grave. Exhausted. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du verre poli. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Vu que j'ai des plumes et j'ai deux places. Il me manque encore deux plumes pour faire ça. Le collier de perles d'épée. Et il me manque deux brevets de marchand. Piège de la peur, il me faut du bois. Il me faut trois bois. Piège explosif. Faut que je lui prenne du bois. Quoique je peux en chercher sur le chemin. Bon, ils sont toujours amis avec nous, donc ça va. Ils sont toujours alliés, les crapauds. Malgré tout. Ils sont sympas. Par contre, les crocos et les autres, là, ça va être chaud, hein. Écoutez, je vais chercher il faut vraiment qu'on trouve des globes, hein. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais... Il les cache bien, hein. Comme il m'en manque 4 orbes pour pouvoir augmenter mon inventaire. C'est bien joli tout ça, mais... Je me tape pas les ennemis là. Ils saluent pas comme les renards, c'est dommage. Du bois. Un sentier de cristaux vers de Krashtal, tout comme West a dit. Il semble mener vers le village un peu plus loin. Ok, suis les cristaux de Krashtal. Ben, je suis chez les crapauds là.
suivre les cristaux de Crashtal, mais je les ai suivis là. Je suis partie de là. Ça mène au village, mais... Là, j'ai plus de cristaux de Crashtal. Les cristaux de Crashtal, qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a eu un truc chelou. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qui me viderait l'inventaire? On peut faire un plein d'efficacité, non? Ici, il me manque encore une plume. Suivre les trucs de Crashtal. Ça mène au village. Hein. Popum, popum. J'ai rien au niveau de la carte. Ah, c'est là. Oui, c'est ça, c'est au village. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Ah. Non, il roupille. Fais dodo. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce village? C'est une bonne question. Non. Ah, là-haut. Il y a un grand truc de cristal en haut. Ici repose le roi sur la boussole, c'est quoi? Attends, ben je regarderai après, je vais te dire. Ici repose le grand roi drôle du premier village des Litters. Avec un dernier souffle, il suivit le sentier jusqu'au grand chêne des champs, avala le Crashtal et le cracha au point du tronc. Personne à ce jour n'a pu égaler ce crachat. Je vais pas m'amuser à cracher avec mon personnage quand même. Celui qu'il fera sera détenteur de connaissances importantes pour l'éditeur. Voilà. Alors, il a fallu que je cours, hein, voir que je crache. Mais c'est quoi ce jeu? Je pourrais essayer de tirer dessus. Sur qui? Découvre l'héritage du roi drôle dans le plus grand chêne près du sanctuaire du champ. Oh.
Alors, moi, ce que je voudrais, c'est surtout des globes. J'en ai marre d'avoir un inventaire restreint. Alors, donc, il va falloir que je découvre quoi, je sais pas trop quoi. Mais enfin, j'espère qu'il va pas falloir que je fasse un concours de crachat avec un crapaud. Hein. Alors. Donc sur la boussole, tu as un croissant. Ah, ben c'est le jour et la nuit. Le jour, la nuit. Sur les couchants, ce soleil levant. Découvre l'héritage. Par contre, j'ai plus le truc. Sous un chêne. Découvre l'héritage du roi Drôle dans le plus grand chêne près du sanctuaire. Le plus grand chêne. C'est pas les arbres qui manquent, hein. C'est pas gagné. Alors, plus grande chaîne. Hein. Près du sanctuaire. Donc ce serait celui-là. Si je suis logique. Hein. Le plus grand, ça a l'air d'être là. C'est un effet d'optique. Et c'est ça. Sous le plus grand chêne. C'est au milieu de l'eau là, par hasard. Il me semble être le plus grand celui-ci. Raté. Faut rester autour de ça, donc on va se taper tous les arbres. Cool. Le plus grand chêne. Pour moi, le plus grand chêne, c'était celui-là. Hein. Ah, ça y est, c'est revenu le truc jaune. Hein. Oui, non, mais ça, j'ai compris que c'était là le truc et qu'il faut que je trouve le plus grand chêne. Hein. Donc pourquoi tu dis sous, hein? Découvre l'héritage du roi Drôle dans le plus grand chêne près du sanctuaire du champ. On est au sanctuaire. Je suppose que ça va être au pied d'un chêne, hein, mais lequel? Parce que là, on est au sanctuaire.
et chaînes autour du sanctuaire. Mais où? Là est la question. Je suis foule. C'est peut-être celui-là? Trop beau. Faut tourner autour, de toute façon, là, je vois que ça. À l'intérieur, faudrait pas que tu tires, hein. Ben non, je pense pas. Je vois pas sur quoi faudrait que je tire. Ça me dit découvre l'héritage du roi Drôle dans le plus grand chêne près du sanctuaire. Non, j'ai pas de cible. Hein. J'ai pas de cible. Faut que je me tape tous les arbres autour, je pense. Hein. Tu dois avoir une au plus haut du plus grand. Ben oui, mais... problème, c'est qu'il faut trouver l'arbre. Pour moi, le plus grand. Hein. Pour moi, le plus grand, c'était celui-là. Hein. Celui au centre de l'île. Ah, il y a une orbe là-bas. Je vais pas la rater. Je reviens là après, mais chercher l'orbe. C'est que je l'ai vu. Je l'ai vu de loin, mais... J'ai vu une orbe ici, mais où? Pas du tout là, je pense pas hein. Ah si, il a des grandes jambes. Oh, j'ai failli me rater hein. Plus que trois orbes, on pourra agrandir l'inventaire.
Je suis full, ça le problème, hein. C'est vraiment gênant. Qu'est-ce que c'est ce truc là-haut? On n'est pas chez des potes là, hein. Je vous le dis, c'est pas... Si. Il faut se taper tous les arbres, ça va être compliqué là, hein. C'est une marque étrange. Ce territoire est sacré pour notre espèce. Nous essaierons toujours de reprendre ce village car c'est notre capitale. Ouais, mais c'était pas ça. Qu'est-ce que je peux leur mettre? Ça me fera de la place. Parce que là, j'ai plus rien. Me faire tendre, ils n'aiment pas ça. On a déjà une place. Salut speaker. Aïe 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 mon dieu. Pourtant il me semble que c'est bien celui-là, hein, le plus grand. Hein. Aïe 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 aïe, il est là-haut. Mais comment je monte là-haut, moi? Oh, l'arnaque! Comment je fais? De là? Yep! Un parchemin. Il semble décrire comment les tribus peuvent préserver leurs ressources et probablement obtenir du Drolika, le plan secret du roi Drôle. Ce plan pourrait vraiment intéresser un chef. Et fragment du roi Drôle. Retrouve et parle à un chef d'éditeur de l'héritage du roi Drôle. Ok. Ok, ok. On va parler à un chef.
Ouais, fallait tirer, mais après, c'était pas très bien expliqué, hein, je trouve. Je voyais pas trop le rapport avec le sanctuaire et le. Ben, j'avais bon pour l'arbre, hein, j'avais dit celui de l'île. Hein, mais. Fallait juste trouver la solution. Allez, on va parler au roi crapaud. Au crapaud. L'humain. Salutations, je suis You et je viens apporter le plan du roi Drôle. Roi Drôle, comment oses-tu parler de notre tout-puissant de cette façon? J'ai trouvé un moyen de l'extraire du légendaire cristal supérieur de roi Drôle. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Il semble contenir des connaissances pour préserver les ressources plus efficacement, ce qui pourrait ramener le Drolica. Drolica, tu plaisantes peut-être, personne n'a vu ça depuis des lustres. Mais avant de continuer, quels sont les avantages pour toi? Eh bien, je voudrais tout savoir sur la gaffe. Pourquoi voudrais-tu savoir cela? Pour mes recherches, il semble que votre tout-puissante possède des informations que je pourrais utiliser. Cela pourrait être vrai. Si tu nous donnes le plan du roi Drôle, je t'aiderai à y arriver, pourquoi pas? Influence le village des Litters avec la connaissance de la préservation. C'est une blague. La connaissance de la préservation. Oh, je vais me bloquer, non? Non. Au marchand, il faut que je cause. Si tu recherches de bonnes marchandises, je suis au bon endroit. D'accord. Alors. Connaissance de la préservation. Ah, il me manque deux brevets de marchand. Il me manque deux brevets de marchand pour faire ça. Ok. Il va falloir que je piège des marchands ou alors les laisser se battre. Et quand j'aurai deux brevets de marchand, ce sera bon. Que là, je peux pas le faire. Hein. Tac. Un parchemin contenant la méthode pour conserver les aliments. Ah, il me faut deux brevets de marchand. Donc je ne peux pas le faire pour le moment. Il vend pas des brevets lui, de toute façon. Eh ben, c'est pas gagné. On verra ça au prochain coup. Quelle heure est-il là? 17h38. Ouais. Ouais, prochain coup, il faudra mais pouvoir faire le brevet là. Mais pour ça, il nous faut des trucs de marchand. Et ça va être compliqué. Bon, ben, on va rester là. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là sur le live. Merci Mandrin, merci DJ, merci Fred, merci Spiker, merci tout le monde. Merci à ceux qui sont sur le live et qui ne parlent pas.
Puis on se retrouve à très vite. Ou alors vous avez la chaîne YouTube si vous voulez suivre les let's play. Donc Pin qui est sur YouTube. Voilà. En tout cas, plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye.